What's up tout le monde, c'est Christo, je viens, on se retrouve pour les Breaking News à propos de ce fameux DLC braquage. Eh bien écoutez, là c'est une vidéo un peu particulière parce que je me pose des questions. Voilà, c'est un peu compliqué, beaucoup en parlent, tout ça, et ça fait exactement 7 mois qu'on attend des infos, et on va dire que moi et d'autres youtubeurs français ou anglais ou espagnol ou allemand, je sais pas du tout là-dedans, mais voilà, ils disent voilà, ça va sortir ce mois-là. Quoique moi j'ai pas dit ça, normalement ça devait sortir en début d'année 2014, et ça a été sûr parce que c'est Rockstar qui l'ont dit, comme quoi tout ce qui va être au niveau des heists, donc en gros au niveau des braquages, ça sortira en tant que DLC en début d'année, soit normalement il y a je crois environ 2 mois. Ça devait sortir, depuis aucune info de Rockstar, on ne sait toujours rien et on ne saura toujours rien à mon avis. Il y en a qui en parlent comme quoi ça sortira en fin de mois ou en début de mois du mois prochain, et moi je pense que pas du tout. D'ailleurs quelques youtubeurs aussi en parlent et disent comme quoi ça sortira certainement sur les nouvelles générations de consoles. Je vous en avais d'ailleurs déjà bien parlé, et je pense aussi que ça sortira sur les nouvelles générations à la date de sortie des nouvelles générations de consoles. Ce qui est assez chelou, c'est que Rockstar nous ont promis de sortir les braquages avant la sortie des nouvelles générations de consoles. Donc en gros, limite, je suis en train de vous dire l'inverse de ce que je vous ai dit juste précédemment. Mais c'est super bizarre parce que, voilà, on a toujours rien, on n'a aucune info, on sait rien du tout. Et je sais pas du tout pourquoi ça prend aussi de temps. Et je vous pose la question, pourquoi on n'a pas de réponse, pourquoi les gens, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Est-ce que vous pensez vraiment déjà qu'il y aura cette fameuse sortie de DLC braquage? Je pense que oui, forcément, tout le monde en parle. Il y a eu des sortes d'émeutes de personnes qui voulaient voir apparaître ce DLC-là, je pense, il y a quelques mois. Ils ont rien vu, ils sont déçus. Il y en a qui critiquent un peu le jeu GTA V, c'est un peu trop facile de critiquer le jeu, parce que quand même, il y a eu beaucoup de travail qui a été mis dedans. Après, c'est sûr que c'est bien quand même d'être averti par Rockstar, parce que Rockstar nous ont dit il y a 2 mois que ça allait enfin sortir. Je pense que là, ça fait 2 mois et que on a eu vraiment aucune info, et ça devient un peu chiant, quoi. Ça, voilà, je sais pas du tout ce que vous en pensez, vous. Ce qu'on sait vraiment déjà, c'est qu'il y a eu des leaks à propos du DLC braquage. Je vous en ai déjà bien parlé. Comme quoi, déjà, ce braquage là, ce DLC là, il sera pas vraiment que dans tout ce qui va être banque, tout ça. C'est à dire que on a un peu cette idée là quand on va dire un DLC braquage, c'est voilà, tu vas braquer une banque, forcément. En fait, ici, non, ça sera comme voler des informations confidentielles au FIB, au bureau du FIB. Donc, il va falloir faire des infiltrations. Ça peut être par exemple voler des camions de marchandises. Faire pas mal de choses là-dedans, des sortes des petites missions un peu d'infiltration. En fait, vous allez finalement choisir un peu vos méthodes pour réussir à vos missions. Ça peut être vraiment de l'infiltration ou pas, ça peut être de la destruction totale. Et bien sûr, vous serez recherché par la police, donc ça compliquera un peu plus votre tâche. Mais voilà, donc c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations, et surtout, Rockstar ont promis quand même que ça arrivera sur les anciennes générations de consoles. Et se dire que, dans ma tête, que ça risque de sortir à partir du moment où il y aura les nouvelles générations, lorsque le jeu sera disponible sur les nouvelles générations de consoles, ça peut paraître assez ridicule, parce qu'en fait finalement Rockstar ils disent l'inverse. Mais je trouve ça honnêtement super bizarre, et ça fait 7 mois, dites-vous, 7 mois qu'on est là en train de papoter à propos des braquages. Moi je sais pas quoi vous dire, parce que voilà, je sais même pas si je vais continuer à en parler. Alors je vais peut-être continuer à en parler à propos juste de ce fameux leak, et après je vais arrêter, quoi, parce que là c'est bon, quoi. Je pense qu'on en a déjà bien parlé, voilà, on attend juste la date de sortie, quoi. On attend des infos, et ça sert à rien que je vous fasse des vidéos sur DLC braquage alors que on a rien, on a aucune info là. Je vais juste vous parler prochainement, je pense, des leaks. Et ça sera tout, je pense que ça sera tout, parce que on attend, mais pour l'instant Rockstar, eh bien, nous ont même pas parlé de ça, et on attend inutilement, quoi. C'est super chiant. Et pour l'instant, ils sortent des DLC, hein, comme on a pu voir, et pour l'instant, on n'a aucune information sur ça. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est vrai que c'est plutôt agaçant, angoissant pour les gens qui attendaient vraiment cette version. Limite, pour eux, ils attendaient que ça quasiment lorsque le jeu GTA V est sorti. C'était vraiment faire des braquages. Et c'est vrai un peu, parce que quand le jeu GTA V est sorti, on avait un peu dans ces trailers-là l'impression de pouvoir faire autant de braquages que l'on voulait. Alors que c'était pas vraiment le cas.
Voilà. C'est un peu décevant, c'est vrai là-dessus. Moi, je trouve que c'est assez décevant que faire 3 missions braquage dans le jeu. Puis alors, oui, c'est sûr, tu peux faire des braquages à des mini supermarchés. Ah, bah là, j'adore. Moi aussi, j'adore. Mais c'est pas complet. Et je pense dans l'avenir que ça sera beaucoup plus complet. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Rockstar ont encore un retard là-dessus. Et que ça sortira certainement lorsque les nouvelles générations de consoles vont sortir. Ou alors peu de temps avant. Voilà, merci pour tout les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle. Merci pour tout, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.